Parce qu'avec les changements de... Mais je crois que c'est ça. Le meilleur tour, ça avait l'air d'être ça. En tout cas, les voilà partis. Pour cette course de 5 tours. Et c'est parti! C'est parti pour cette course numéro 1 de 5 tours, course sprint. Donc avec un bon départ de Bernard qui s'est emparé de la première place, Unfazed à l'extérieur n'a rien pu faire, mais attention, il est talonné maintenant par Sulik aussi. Servet 5, le Duc 6, Paul 7. On reste aux avant-postes, hein. Il y a du mouvement. Bernard Unfazed légèrement détaché maintenant du reste. Sully qui mène, qui se détache également. Troisième, derrière ça se bat. Attention, Servet juste derrière maintenant. Quatrième, cinquième, Cossi. Bon départ de tous les pilotes. Attention, pas de contact. Unfazed toujours en tête. Toujours talonné par Bernard de la BSR. À la troisième place, et bien toujours pour Servet. Sully. Servet complète le podium. Sully 4, Cossi 5. Et là, ils ont détaché le deuxième groupe. Ils sont détachés à partir de la sixième place. Avec Paul. Suivi de Jimmy Harty. Le Duc en bataille pour la 8ème place, 7ème place même. Oh, il y a du mouvement derrière. Sully en difficulté. Pas de dégâts pour le pilote GTWGP. Mais il est en lutte maintenant avec Paul pour la 5ème place. Oh, il a dû se faire peur le pilote. De la GTWGP. Il se tape en plus une pénalité d'une demi-seconde. Et il se retrouve dans le deuxième groupe maintenant. Et devant, eh bien, 4 pilotes se détachent nettement maintenant. Unfazed, Bernard, Servet et Cossi. Paul, 5ème pour l'instant, seul 5ème. Pareil pour Jimmy, seul 6ème. Artis détache, il est 7ème. Et Sully maintenant en bataille pour la 8ème place avec Damien, le pilote GTBE. Et Damien, 8ème. Allez, on retourne en tête rapidement pour suivre les 4 hommes détachés. Et Unfazed bien, qui tient toujours la dragée haute à ses adversaires. Il ne chute pas malgré l'énorme pression là, que représente Bernard derrière lui. Et on peut dire que le début des qualifications tout à l'heure montre clairement la couleur. Hein. Indiquait clairement bien, que Bernard serait dans le sillage d'Unfazed. Paul et Jimmy, ça se détache. Ah, et Harty qui fait la jonction. Harty qui a réussi à faire la jonction. Il est maintenant en lutte pour la 7ème place. Derrière, eh bien, on a Sully qui mène le dernier train. Damien en lutte avec Deosim pour la 9ème place.
Ah, c'est très serré également pour la 9ème place. On a pas mal de pilotes. Le Duc, attention à l'intérieur, à ne pas revenir percuter Damien. En revenant sur la piste. Et Servet qui s'est emparé de la 2ème place. Bernard peut-être en difficulté, qui lutte maintenant pour la 3ème. Maintenir, garder cette 3ème place, attention avec Cossi. Alors là, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est... peut-être un bug, hein. Peut-être un bug. C'est que Cossi lag légèrement. C'est en tout cas ce qui était signalé tout à l'heure. Ouais, il y a du lag effectivement pour Cossi, visiblement ça va être compliqué, hein. Pas de dégâts, mais il y a du lag. Alors j'espère que pour Bernard ça n'implique pas de gros problèmes de pilotage. En tout cas Bernard il est 2 maintenant, il est repassé devant son coéquipier. Ça va pas durer parce que Servet il a le meilleur angle d'entrer dans cette chicane. Et derrière Arti il est 6. Arti est maintenant 6. Très très vite, allez voir ce qui se passe derrière. Et celui 7, il y a eu du changement. Alors qui est dernier? Eh oui, il y a eu une déco surtout, visiblement. Allez, on retourne en tête. Avec donc Unfazed Leader, Servet 2, Cossi 3 et Bernard 4. Cinquième place donc pour Paul, c'est le dernier tour, hein, c'est le dernier tour. Eh bien, une bien belle première course en tout cas. Il y a du spectacle un peu partout. Il y a Sully et Arti qui se battent pour la 6ème place. Et Cossi passe 3. Alors, est-ce qu'il va y rester? Non, il repasse 4. Il y a encore finalement un peu de lag. Les deux pilotes sont côte à côte et Bernard et Servet qui reprend le meilleur. Servet qui prend le meilleur. Attention, un peu chaotique le passage dans l'herbe, qui sera sur la 3ème marche du podium. Allez, on est dans les derniers hectomètres de cette course numéro 1 avec Unfazed donc toujours en tête. Bernard, deuxième, la 3ème place là pour l'instant, elle est pour Cossi, complète le podium de cette course numéro 1, 4ème, Servet. La 5ème place, elle est pour Paul. Arti est toujours le meilleur sur Sully, mais attention, Arti, il est dans l'herbe. On va voir, hein, on va voir si la position évolue maintenant avec le classement. Oui, Sully qui est passé 6, c'est donc la victoire d'Unfazed. Dans cette course numéro 1, 2ème place pour Bernard, la 3ème pour Cossi, la 4ème pour Servet, 5ème place pour Paul, 6ème Sully. Passé, non, qui rend sa place, qui a rendu la place, sans doute en purgeant sa pénalité. 8ème Déossim, 9ème Damien, 10ème Le Duc. Et voilà le reste du classement. Et Jimmy qui n'a pas terminé, tout simplement. Et donc, eh bien... cette belle première victoire pour Unfazed qui confirme eh bien sa bonne séance de qualif.